be like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. Mbappé là dans son masque il rigole. Je commence à m'endormir là, oh là là, c'était dodo là, je dis c'est bon. Et puis je me suis dit, ils vont marquer un but là. Avec le 1-2. Pile poil quand je dis ça, toum 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 toum. C'est bien ça, ah, ça c'est bien ça. Flouk flouk, toum toum toum, toum, il est fou, toum toum toum. Ah, ça c'est bien ça. Toum, l'autre il est arrivé, toum, toum 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 toum. Il est fou, lui, ça rentre. Désolé, Ronaldo. Bah, il faut qu'il égalise maintenant. Voilà. Golo Kanté. Il marque pas beaucoup de buts, mais quand il marque, c'est important souvent. Hein. Ah ouais, Ronaldo, il a la mort là. Eh oui. Ah, on est bien là, on peut dire, on peut dormir tranquillement. Voilà, changement. Allez, chez vous. Allez, on lâche rien. Allez. Là, c'est un match, il faut rien lâcher, on lâche rien, c'est la défense, il faut rester comme ça. Ouh, c'est chaud. Vite les minutes là, vite, on va pas y passer la nuit là. Faire une crise cardiaque ici là, putain. Dégagez là, putain. Il faut que ça passe vite là, les minutes, c'est trop lent là. Allez, comme t'es allé. C'est bien. Non. Putain, carton. Jouer la minute, il faut faire des passes, des petites passes là, parce que là c'est chaud. Oulala. Faut tenir, c'est bientôt fini, faut tenir. Tenez, putain. Ah, bien joué, là. C'est une faute, c'est vrai. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Aujourd'hui, la France a été des tigres. Franchement, la France a été comme mon maillot, comme mon t-shirt. Regardez, ils ont été vraiment. Vratique et franchement là je suis content aujourd'hui, la France a repris sa vraie place de premier de la poule et fini la compétition, enfin le tournoi, le gros match le plus important contre le Portugal. Ils finissent premier, les Français finissent premier. Franchement là c'était un match de qualité comme le premier match, sauf que sur les petits détails qui font que quelques petits détails en font que voilà, la France a réussi à marquer un but, mais il y a pu avoir un match nul de 1 partout, parce que quand on voit Cristiano Ronaldo qui n'arrive pas à marquer contre la France, il a du mal. Et on a de la chance que Ronaldo ne marque pas, parce qu'un grand joueur comme Ronaldo normalement marque tout le temps dans les grands matchs, mais là contre la France il ne marque pas, donc c'était fantastique. Là j'assiste pas en direct de la fin du match, là le match vient de finir. Et puis franchement là je suis content parce que la France a vraiment s'est battue comme le Portugal. Ça aurait pu être le Portugal qui aurait gagné, qui aurait gardé la première place. Mais on a renversé la situation et du coup la France a fini premier de sa poule et fera le tournoi des 4 équipes. Enfin les matchs finaux du tournoi. Et c'est très 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 bien, franchement, la France est beaucoup battue, le Portugal, c'est deux grosses équipes, franchement, qui n'a rien à dire, que c'était là, il n'y avait pas une équipe qui est plus forte que l'autre équipe. Là, c'était carrément les deux équipes, c'était, on va dire, 50-50, il n'y a pas de... Parce que ça basculait à tout moment. Quand j'ai vu Ronaldo qui a failli marquer un de ses buts,
sur le coup franc, mais bon, heureusement qu'il s'est contré plusieurs fois. Qu'on voit même plein de joueurs du Portugal à un moment donné, même vers la fin, vers la 59, ouais, c'était la 59 minutes de jeu. Là, on voit le Portugal qui pousse. Et on a, la France a trop de chance dans ce match, parce qu'il y a eu une barre, un poteau, qui a été un joueur tapé le poteau. Et franchement, là, il y a eu beaucoup de chance, parce qu'il y aurait pu avoir l'égalisation du Portugal, mais le Portugal n'était pas sur sa grande chance et sa grande forme, puisque en fait, on va dire qu'ils étaient en forme, mais c'est là, moi, je dirais plus que c'est de la chance, puisque quand vous voyez le Portugal, toutes les occasions qu'ils ont eues, et qu'ils ont raté, que ça a tapé la barre et tout, moi, je pense que c'était fini à un moment donné. C'était un match à risque cardiaque. Quand on a un match comme ça, c'est un match à risque cardiaque. Franchement, il n'y a rien à dire, risque cardiaque. Et franchement, j'ai aimé ce match. C'était vraiment un match exceptionnel. J'ai aimé Paul Pogba qui a essayé aussi de marquer son but, mais bon, après, il y a un joueur qui le gêne. Il a essayé de mettre la tête. Il était à deux doigts de marquer ce but pour la France. Mais bon, voilà. C'est bien que c'est N'Golo Kanté qui marque le seul but de l'équipe de France, que le match se finit à 1 but à 0 pour l'équipe de France. N'Golo Kanté, qu'on ne le voit pas trop, il est tout petit, mais quand il est là, il passe dans, comme un petit chat de souris. Quand il passe, quand la chance là, c'était son jour de chance. Et puis voilà, c'est pas une personne qui marque beaucoup, N'Golo Kanté, mais là, il a marqué un but vraiment très très important. C'est un but de bonne qualité. Là il faut le dire, ça a souligné. Il faut le souligner, c'est un but de bonne qualité puisque la frappe a été frappée, le gardien qui repousse le ballon et N'Golo Kanté qui a subi et toum, qui met le pied et c'est bien, c'est rentré, c'est très très bien. Ça, c'est un but, moi je dirais que c'est un but de très bonne qualité puisque dans des conditions très favorables, là où la France se lutte et le Portugal lutte, on ne sait même pas qui va gagner, on croit même que le match va finir par 0-0 ou peut-être un partout. Moi, on sentait plus 0-0 dans ce match. Et sur ce contre-là et ce relâchement du gardien, et comme N'Golo Kanté qui met le pied, vous voyez bien qu'il met bien son pied, il s'applique bien, parce que là, tu es obligé de t'appliquer. Tu ne vas pas faire comme ça, n'importe comment, ça va sur le côté. Il faut bien s'appliquer, il met bien son pied comme ça pour que ça rentre bien dans les buts. Et franchement, là, N'Golo Kanté, c'est le meilleur. Là, il fait que les Français vont pouvoir passer une bonne soirée. Parce que là, je regardais devant la télé. Comme vous avez vu, je regardais devant la télé. Et une bonne soirée. Parce que moi, un match de qualité, un but de qualité, c'est exceptionnel. Franchement, je suis content. On se retrouve pour la prochaine vidéo, les amis. Mais franchement, c'était un match exceptionnel. 50-50. On va dire qu'on ne va pas critiquer les deux équipes. Tout le monde a bien joué et met en résultat un vainqueur. Et je suis content, notamment pour moi, que ce soit l'équipe de France. Parce que bon, si le Portugal avait gagné, j'aurais été content. Mais bon, je veux que cette année, cet Euro là qui arrive, il faut que ce soit la France. Parce que le Portugal a déjà gagné l'Euro avec Cristiano Ronaldo. Et je sais, il est trop fort, très très fort ce joueur. Et avec le Portugal, ils ont une équipe de feu. Ça va être très compliqué, mais je pense que la France pourra revenir en finale de l'Euro 2020 et je pense qu'ils peuvent la gagner. Mais il faut qu'ils restent sur cet état d'esprit et qu'ils continuent à match par match, parce qu'ils ont fait un match avant le Portugal, rappelez-vous, contre, je crois que c'était la Finlande ou quoi, mais ils ont fait un match vraiment qu'ils ont perdu 2-0, mais c'était pas ça. La France, ils ont dû mettre la... C'était pas l'équipe 2, là, c'était l'équipe 3 ou même l'équipe 5. Il n'y avait que Pogba, il y avait des joueurs, mais pour moi c'était l'équipe 3 ou l'équipe. Pas trop l'équipe 2, moi. Hein, parce que même l'équipe 2, je pense qu'ils n'ont pas pris 2. Mais bon, 2-0, mais bon, voilà. Vous allez me dire, on va laisser oublier ce match. On a gagné, la France a gagné contre un gros. Et c'est important de gagner contre les gros, surtout contre le Portugal. Allez, tchuss les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo parce que voilà, il faut liker, il faut me soutenir comme partenaire, comme abonné, etc. Il faut quand même me soutenir parce que j'ai besoin de soutien, parce que ma chaîne ne marche pas très bien en ce moment. Quelques difficultés dans ma chaîne, les amis. Mais oui, mais il y a quand même la qualité en vidéo. Vous voyez bien que c'est une qualité. Donc voilà, je vous demande simplement de liker ma vidéo. A plus les amis.